Abîme le Seigneur, je te bénis, toi qui es en ligne en direct avec nous maintenant. Nous allons encore une fois partager un verset comme d'habitude, le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18 et le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je relis encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible nous dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc ici, on parle de Jésus-Christ qui a vu ses deux frères de Galilée et il les a dit de les suivre. Ces deux hommes n'ont pas eu à dire à Jésus, attends, on va d'abord arranger ça, faire ceci, terminer nos études ou autre chose. Non. Comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais la Bible dit dans le verset 22, ses frères ont dit ceci. La Bible dit ceci par rapport à ses frères. Il les a appelés et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Donc, ces deux frères ont laissé leur barque. Ils ont laissé la barque et leur père. Et ils ont suivi le maître Jésus-Christ. Donc, tu dois savoir que Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Et il sait ce que tu fais maintenant et ce que tu comptes faire après. Dieu connaît tout. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le créateur de l'univers. Il connaît même ce que nous pensons. Car la Bible dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons et ce que nous pouvons penser. Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Car c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui le maître de toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui a entre ses mains toutes choses. C'est lui le créateur de l'univers. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Et c'est lui qui va l'enlever aussi un jour. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui est notre Dieu aujourd'hui. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est Alpha et Omega. C'est lui notre maître. Sorry. Donc c'est pour ça que je dis que non, il te connaît mieux que toi-même. Et il sait ce que tu fais maintenant et ce que tu comptes faire après. Alors quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Il veut que ta vie soit changée. Dieu veut des fois que tu puisses commencer quelque chose. Ou Dieu veut des fois rajouter quelque chose à ce que tu faisais déjà avant. Il veut soit te donner de nouvelles instructions, de nouvelles orientations. Il veut te donner soit de nouveaux plans pour ce que tu fais. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, ne résiste pas à sa voix. Il faut obéir à sa parole. Il a dit à ses deux frères, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Dieu a voulu faire de ses deux frères, André et Pierre, Simon, les pécheurs pour ce royaume. Alors, quand Pierre et André ont accepté de les suivre, immédiatement, la Bible nous dit que Jésus est parti. Et il a trouvé Jacques et Jean. Quand Jésus-Christ a laissé Pierre et André, il est parti parce que Pierre et André étaient déjà d'accord de les suivre. Jésus-Christ est parti et il a trouvé Jacques et Jean. Nous devons aller vers des personnes qu'on ne connaît pas pour les apporter la bonne nouvelle. Et ils viendront nous suivre. Pas nous suivre spécialement, mais suivre la parole de Dieu. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Jacques et Jean aussi, ils ont accepté de quitter et de suivre Jésus. Ils ont accepté de quitter ce qu'ils faisaient, Jacques et Jean, et ils ont suivi aussi Jésus. Peut-être que toi, tu résistes encore aujourd'hui. Tu résistes encore aujourd'hui. Il est temps de suivre la voie de l'Esprit du Maître. Il est temps pour toi de suivre la voie de l'Esprit de Dieu. Il est temps pour toi d'obéir à la voix de Dieu qui te dit de faire le bien, qui te dit d'évangéliser, qui te dit d'annoncer la bonne nouvelle, qui te dit de commencer à prier pour les autres, qui te dit de pardonner les autres et de prier pour les autres. Que Dieu soit glorifié dans ta vie. Il avait dit, Jésus l'a dit à André et Pierre, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est lui qui devait faire d'eux. C'est lui, Jésus-Christ, qui devait faire de ce qu'il voulait et non pas eux. Car beaucoup d'entre nous aujourd'hui vont dans les églises et cherchent que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour leur vie et non le contraire. Nous devons plutôt commencer à demander maintenant à Jésus-Christ, à Dieu, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et il va nous le dire. Même au travers la bouche d'une autre personne, même comme tu me suives là, Dieu peut te parler. Et Dieu peut soit t'inspirer au fond de toi, au plus profond de toi, de ce qu'il faut faire. C'est comme ça que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu dois obéir à la voix de l'Esprit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Continue à nous suivre toujours sur Shiloh TV, notre programme L'École du Saint-Esprit. Sois béni. Guys, that's the Caribbean. And move it so loud. Move it.